bénédiction partagée. Amen. Et nous disons Dieu merci de ce que, et dans le dernier dimanche, et dans la dernière ligne de thème, nous faisons encore grâce et privilège pour nous gagner possibilité pour nous méditer ensemble dans notre méditation sur la fermeté chrétienne pendant tout le mois. Et que nous joignons dans le livre Thessalonique, là. Et deuxième lettre de Paul aux chrétiens de Thessalonique, chapitre 2, verset 15. Et on a profité pour nous saluer toutes les amis, non? Et toutes les habituelles mordues, Light and Peace, le Christian Ministry, on a dit que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. 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 Et on a qu'un peu ferme et qu'un peu raide pas voulu. Parce que t'aimes la vie dans un moment vraiment. Côté là, regardez autour de nous, on a fait un coup d'œil à travers nous, à travers le monde, à travers l'Église. Et si on n'a pas qu'un peu ferme, eh bien, on a perdu du foin sur vous. Mais Paul te font radiographie, te font constat. C'est comme ça, il dit chrétien. Ainsi donc, mes frères, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et maintenant, vous recevez vos instructions de tout genre. Ou se voyo nan editorial, ou se voyo nan journaux, ou se voyo sur WhatsApp à travers les réseaux sociaux, ou se voyo pas de moyen pour des excuses, instructions ou venir tout ça. Vu que Dieu, c'est lui qui nous fortifie par des conseils dans nos incertitudes, lui qui nous dirige dans le chemin de la paix, le guide qui nous parle ce matin intérieurement, qui a parlé avec nous, et bien c'est lui-même qui conduit les humbles dans la justice, mais parler avec nous en ces termes. Et chrétiens, nous prions pour nous faire la sourde oreille. Surtout nous-mêmes, ces chrétiens haïtiens, t'aimes ça, nous t'aimes de regarder, puis au pile dans la donne. Parce que devise nous-mêmes, comme Haïti, dans le drapeau nous, et que l'union fait la force. Et nous-mêmes, matin, qui sommes chrétiens, qui unis nos seules foi, nos seules baptêmes, nos seules espérances, nous devons vraiment, et tu as supposé, pas ta gain problème pour nous rentrer. En dedans thème ça. Mais on connaît, et c'est assez souvent, c'est dans la désunion à nous, et c'est la faiblesse, non. C'est là notre faiblesse. Et maintenant, il y a des fois, c'est manque d'humilité, manque de cohésion, pas de synergie, et c'est ça qui fait ennemi, les gens. Dans le nous limiter nous, cette division, ça qui crée toute faiblesse, nous. Donc, on est dans tout ça que le pays a traversé le monde là. Si les chrétiens étaient unis, vraiment, l'être ça, tu ne dois pas venir le matin. Mais c'est passé dans la faiblesse, nous. Dans tout ça que nous y est, l'église là, pas unie, eh bien, ennemi a profité de la faiblesse là. Parce que nous pas humilier nous. Jean-Pierre, si mon peuple s'humilie et cherche ma face, je dis à nos malades, je dis à nos pas qu'à jouer une guérison, la faiblesse nous y a. Et pour ça, Livo dit nous, je te ferme. Et je dis à, il y a des grandes croisades évangéliques qui t'a qu'à retirer nous dans le monde ça. Mais nous tellement divisés. Si là, on a pour exemple, admettons que Pasteur Karl t'a dit, n'a pas une croisade d'évangélisation dans toute zone pour chrétiens chercher
force que vous perdez dans l'incertitude de vivre. C'est là, parce que quelqu'un doit dans Spring Valley, en Banayak, ou bien doit avoir des tels à faire. Après quoi ça parle? Vous venez voir première église baptiste et chrétienne d'Haïti a fait parler en façon pour pas pour yonan mambio pas perdu pour l'allan. C'est là faiblesse là. Autant dire que si mot d'ordre la lancer ça que Jésus vous dit parce que là il a passé dans cette église parce que Paul et puis n'a serré les rangs pour nous joindre force n'a cherché là. Parce que, bon Dieu, pas un monde pour mentir. Il lève le peuple, qui est dans des situations difficiles. Daniel convoquait tout Israël, nos jeunes de prière. Oui, nous avons fauché, nous commettre des iniquités, nous transgresser les lois divines. Et puis, bon Dieu, attendez-nous. Parce que nous unis dans une seule foi, l'unité de la foi, l'inamite à nous. Mais je dis assez dur pour ne pas parler comme ça. C'est un coup où tout ça qui t'apparaît insolite, c'est lui qui vit une réalité dans le monde de la vie. Et mien, il n'a pas dormi. Et pendant qu'il n'a pas dormi, lui-même l'a servi de bon grain. Et en pile fois, il y a des mondes qui t'a remis dans l'unité fraternelle, avancé. Mais ou pas pour contour, mon leadership qui pas dégagé. Et c'est ça que fait dans 2 Timothée 2 verset 12, 3 verset 12, la parole la parole dit tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et c'est pour ça maintenant la mando pour chercher zèle dans l'évangile là, zèle que tu gagné l'autre fait recevoir appel ou assez souvent, on entend dire que c'est le Saint-Tel, le Foint-Tel, t'es fait converti, mais que ça, t'es gon chaleur, t'es gon rigueur, t'es gon énergie. Il dit, les gars, il est perdu dans l'île là, il est perdu dans l'autre là. Les ailes que donne l'évangile, dès le départ, qu'est belle ferme. C'est pour mes affaires, c'est pourquoi nous, il dit nous, gagner. En pile d'âmes. Les âmes. Parce que les âmes, peut-être avec lesquelles que nous combattons, mes bien-aimés, ils ne sont pas charnels. Ce n'est pas des âmes de destruction massive qu'il y a pu utiliser, je dis. Mais c'est ces âmes qui pour permettre nous fort dans la bataille-là. C'est pour mes affaires. Maintenant, le Seigneur a parlé avec nous. Le Seigneur dit de parler avec l'ancien haut. Il t'a aidé au fait route là. L'Éternel t'a parlé avec Josué. Le psalmiste David, le Seigneur qui a conseillé nous maintenant, il t'a parlé avec David. David, dans le superbe cantique, dans le psaume 16, David dit l'Éternel est mon pâturage et mon calice. C'est lui qui m'assure, qui assure mon lot, un héritage délicieux, m'est échu, une belle possession m'est accordée. Dans verset 7 là, il dit, je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Maintenant, tant de conseils, apôtre là, vous et vous nous, tant de conseils, le Seigneur a besoin d'accorder avec vous matin. L'Éternel t'a parlé avec Josué. Dans Josué chapitre 1er, le verset 9. L'Éternel t'a voulu, dans tout sa peuple-là, t'a fait, dans toute calamité peuple-là, en tant que leader. L'Éternel, ouais, que Josué est sous point de faillir, sous point pour l'effondrer. L'Éternel dit Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point
et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu es en train de faire. Maintenant, sous ta route, ou ta sous route, pour perdre, femme, ça, font recul, qu'un bé, t'es tout. Soyez une fois de plus à l'écoute des conseils de Dieu. Je veux dire, n'a vivre avec une peur bleue. Ou même matin qui sans force et sans soutien, gardez Jésus et font y camper. Parce que parfois, il y a un élan qui va prendre en route là pour contre. Mais pas bon, ça fait longtemps, ou après une fausse alerte. Dans le même monde, maintenant, gardez mon tout, où est qu'il est lié. Parce que je dis, côté de la vivre là, le monde peut-être qui a dit, pas peur. Qui me fait, c'est eux qui ont créé la peur. L'Église a botté les âmes. Ça dit, dans la autorité ecclésiale, ça y est. Parfois, les âmes qui ont la guerre, qui ont créé la peur, qui ont créé la faiblesse, dans la mi-temps, peuple mondial, parfois, les âmes ont créé des dégâts, ils sont capables de tuer des proches, et puis c'est même responsable ça y est pour aller chanter entièrement. Le monde que les âmes détruisent, et puis quand ils sont dans le monde, quelle hypocrisie! Maintenant, il est pour garder mon tout pour qu'il est lié. La Bible te dit, dans le temps, grand temps qu'a venu, pour aller tout le monde sait, mais si vous n'avez pas bon Dieu comme conseiller, si vous n'avez pas l'esprit de discernement, ou qu'à pas jamais le mettre pied l'église là encore. Le regarder ça qui a passé. Mais travail bon Dieu, pas camper, parce que le monde qui a créé la pagaille, troupe, division, qui a créé faiblesse dans le temps, non, ce n'est pas eux qui sont venus mourir pour l'église là. Le monde qui est venu mourir pour l'église là, le voit un thème fort pour nous matin. Marie-Tête, nous serons qui me ferme. Bon Dieu a toujours voyé un bon samaritain sous passage nous. Non, Ephésiens 4, bon Dieu baille des devoirs missionnaires. Étant monté en haut, Christ a fait des provisions, des dons aux hommes. Donc, maintenant, réveille-toi, toi qui dors. L'Éternel te parle en ces termes. Il te parle ce matin, mes bien-aimés. Dieu nous fortifie. Il nous dit, prends courage de ne pas avoir peur. Cessez de pleurer. Il est là avec nous. Il nous dit, il nous garde, il nous soutient de sa droite triomphante. Jean te fait avec Isaïe. Dans Isaïe, dans le livre du prophète Isaïe, dans chapitre 11, verset 2, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, fortifié-o, qui me ferme, esprit de connaissance, de crainte. Parfois, toute inquiétude nous yo, n'a pas mouru par faute de connaissance. À pleurer. Recevez la force et l'énergie de Dieu. Maintenant, vous êtes fortifié. Et ça dit à Josué, n'étais-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Et si parle l'Éternel, signez l'Éternel des armées. Et puis tard, il va le dire à Isaïe, parole ça, parce qu'il connaît la dimension de l'homme nous. Nous, quand on passe à dit, nous avons des chrétiens la lose. Cap monté des sons, qui sans conviction. Puis t'as le bras de parler avec Esaïe, le chapitre 48 là. Il va dire Esaïe, une parole forte. Dans Esaïe, chapitre 48,
le verset 17, m'a cherché le bout. Nous aimons parole ça. Mon côté, l'Éternel a parlé avec le prophète là. Il dit Esaïe. C'est ça, le prophète là a parlé. Et c'est ça, et le prophète là transmet. Lui, c'est pas parole qui sortit lui-même. Il dit ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, le Saint d'Israël. L'Éternel dit moi, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Matin, j'en d'abdiwa, pas la lose, qu'en de ferme. Le conseiller parler avec nous, il n'est pas menti. C'est lui qui est capable de changer l'histoire. C'est lui qui est capable de bon, un parcours, une excellente voie pour marcher. Il est le conseiller. Le conseiller par excellence qui vous parle ce matin, quel que soit là, côté, quel que soit la situation, à la main que vous êtes. Bon Dieu promet ou pour faire tout bagaille pour vous, ou pas pour contre vous, et ceci dans tout ça que vous allez entreprendre, dans nos incertitudes, il est là, dans nos déboires, il est là. Sachez que ce matin, vous avez un conseiller qui prend sa responsabilité. C'est lui qui a fortifié vos yeux. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ou même qui n'a incertitude, ou même qui est incertain, incertaine, sachez qu'il y a quelqu'un qui vous dirige dans de verts pâturages, dans la voie que vous devriez suivre. C'est lui qui a fortifié les anciens. Il est encore vivant, il règne encore. C'est lui qui avait parlé au prophète Isaïe, Josué, Dieu nous fortifie dans nos déboires, dans nos incertitudes. Soyez fervent d'esprit et ayez l'esprit de force et de conseil. Ce matin, ayez l'esprit de discernement quand vous recevez les conseils de Dieu pour les mettre en pratique. Et si ce n'est pas conseil ça rejoindre, qui pour aider dans la route là, et maintenant, je me sens comme dire, si nous ne passons pas à pied joint sous remarque ça, et nous avons fait une faute, il y a des gens qui sont venus, ils sont capables de sentir ou des trous, ils sont bouclés, ils sont forts. Il y a des gens qui marient la tête bien serrée pour régler tout à fait. Mais comme ça, il y a des gens. Mais bien aimé, les problèmes, les calamités, ils viennent, ils sont la bouillie, ils ont peur, ils sont fébrile. C'est ça que fait, bon Dieu, vous voyez, dans des voies missionnaires, nous, ils voient toutes sortes de monde, ils voient des gens qui ont caractère, qui ont force, pour qu'ils soient capables de soutenir l'autre, pour qu'ils soient capables de marcher avec l'autre, pour qu'ils soient capables d'aider l'autre dans la faiblesse. Parfois, il y a des fois, l'autre monde, pour dire, depuis qu'il est arrivé, peut-être qu'il est parti, il va critiquer l'autre. Au contraire, ballon fouche, ballon coup de défense, aider le Kembe. Nous connaissons des gens qui besoin d'une autre bouche. Nous connaissons des gens, c'est des chrétiens bouettes qui ont toujours besoin de monde peut-être qui a forcé, qui a poussé pour remonter maintenant. C'est ça que fait la Bible, dit nous, nous mettons nous de toutes sortes de monde. Garçons comme femmes. Maintenant, la Bible incite nous à avoir l'esprit d'entraide. Nous pas qu'à faire autre là pour contre nous. Maintenant, la fermeté chrétienne nous invite ce matin à aider les autres à porter leur fardeau. Nous gagnons maintenant pour devoir. Pour nous marcher avec l'autre là, dans la fermeté chrétienne. La fermeté chrétienne, demandez-nous, pour nous sympathiser. Une vertu qui demandait pour nous comprendre l'autre là. La vertu, la sympathie,
C'est lui demande nous pour nous compatissant miséricordieux parfois pour nous mettre nous à la place l'autre là pour nous bien comprendre ni dans souffrance li. Et bien aimé, nous voulons nous matin dans moi fermeté chrétienne là c'est pour yon supporter l'autre et yon porter paquet l'autre. Yon aide le pote chay la. Et si j'écris, nous même qui dit n'a suivre, nous gen Christ comme modèle nous. Si Jésus-Christ pas prend chay nous, pas prend calamité nous, je dis à nous même tout. Nous avons déjà effondré, nous avons déjà succombé. Et c'est pour ça que nous avons des grandes assemblées. Je dis à pour nous unir nous dans l'unité fraternelle. Même gens avec l'église primitive. Et c'est ça Christ m'a dit. Bon côté, dans Galates, il était fait mention avec parole ça, dans Galates 6, verset 2, si je ne m'abuse. La Bible dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Pour te paquet l'autre là, aider l'autre là dans des bois, ce sont loi de Christ, la loi de Christ. C'est de nous aimer les uns les autres. Et ça fait longtemps. Et parole la parler, mais parfois nous dit dans la bouche. Nous pas accomplir ce que nous dit et nous n'a font l'autre bagaille. Dans l'évangile selon Jean, et chapitre 13, verset 34, Jésus mandé et 35. Jésus mandé nous. C'est un plus gros commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Et ça n'a pas dit matin, elle pas nouveau, c'est le soleil non plus. Et longtemps, bah, la terre, dent pour dent, ça fait cheval, pas regarder mouton, chien, etc. Mais Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns, les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns, les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ou même qui est à l'école de Christ maintenant, supportez l'un l'autre, baillez l'autre au coup de défense ou l'autre, fouche, chauffez-le pour nous faire route là, qui n'est pas sa fermeté chrétienne, non, n'est pas prégnée dans mes nous. La loi de Christ, c'est la loi de Dieu, pas quitter l'autre là sans hospitalité. Juste pour faire Matthieu vu, pour se faire voir. Au contraire, pour faire Esaïe, tu as dit, et ça comme matin, Esaïe va nous en pile conseil dans moi, fermeté chrétienne. Esaïe, chapitre 58, dans verset 7, il va dire, partage ton pain à celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne détourne pas de ton semblable. Les autres là, dans la faiblesse, ils n'appellent pas bon. C'est pour ça, bon Dieu, béni ou les mettons dans l'église là pour assister l'autre là. Et là, ils levent le garder en haut, le garder en bas, tête les petits. Ils ne sont pas capables de tomber, ils ne sont pas capables de faire route la vie à. Dans le même sens avec vous, avec même rigide, avec même rigueur. Paul fait radiographie l'église là. Je dis à son constat, l'église dans faiblesse, l'église dans gros problème, l'église a traversé des moments de grande turbulence. C'est pas bien des mondes qui viennent en crash au fort, les royaumes-uni, y'a qu'à vider, y'a qu'à causer des dégâts.
Mwen fò nou pa fè table raz, ap monte vit sou moun. Ap krashe sou kadav moun. Lèl gon bezwen. Pafwa le moun Haiti rele ou, depou wè son se telefòn Haiti, ou bizi ou pa pran apèl, ou di sou dat. Parfois bon Dieu bon yo ti peut-être c'est ou même bon Dieu permettre partir ou prendre avion yo dire au cotoyer parfois l'on décès dans famille l'on l'autre dans famille l'on famille qui gon faiblesse ou monter gon colère ou faire monde fermer téléphone sous monde faire monde malhonnête ou plonger dans faiblesse les plus raide parce qu'elle te gon espoir sous ou gon ti moyen dans main ou peut-être pour n'importe qui des 300 dollars mais n'importe qui fait papier vert et bagaille n'a fait monde malhonnête n'a humilié monde si tu vois un homme nu couvre-le les malheureux sans asile l'eau est itinérant c'est pas qu'on saltaye l'eau est en zone en chemin dit bon l'aile te gain chez sous lui. Je dis à bouche canon, peut-être, kaika voisin. Mais demain, ou pas, je me connais comment la vie a fini. Bon Dieu, je dois, ça que tu es dans moi, peut-être, intéressant, capable d'apprendre, mais pas au creuset pour apprendre, comprendre le monde, connaître le monde dans la faiblesse, dans le bois. Maintenant, puisque Dieu est pour nous un refuge, il nous demande d'être un abri pour les autres. Ou pas qu'à gagner. Ou pas gagner l'argent peut-être pour bailler le monde, mais quand Jean Cantique l'a dit, même si je n'ai pas gagné l'argent pour me bailler, mais je prie pour vous. Je prie avec vous, parce que la prière du juste est efficace. Elle a touché le monde dans l'autre continent, elle fait effet. Paul était en prison, pendant que Paul emprisonné, les chrétiens étaient sous des genoux et ont prié. Eh bien, la prière a été gagnée, il fait. Et nous songez comment l'histoire est finie. La prière casse les chaînes. Paul exhorte nos matins, il dit nous qu'on est ferme. Et Paul tape exhorté les chrétiens. Avant, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, Paul tape dit nous. Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Et tout le monde matin connaît ferme, la fermeté, édifier, construire, bâtir, affermir. Matin, aider l'autre à ferme, encourager par des actions concrètes. Paul te font fuite en avant. Dans le même livre, Thessaloniciens, il t'a dit une parole qui est vraiment intéressante. Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, Paul t'a dit une coquine de parole. Et est-ce que 1 Thessaloniciens 5, oui, il y a un chapitre 5, verset 11. Paul dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Travaille parmi vous qui vous dirige dans le Seigneur et qui vous exhorte. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix contre vous. Et ceci, autant que cela dépend de vous. Parce que si quelqu'un possède les biens du monde et que ne voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et Jean 3, verset 17, mes bien-aimés. Aidez nos prochains, vignes qui ferment, c'est des voies nous. C'est la loi de Christ.
soit par la prière, soit par un encouragement, disons mieux, par des actions concrètes. En agissant ainsi, vous accomplissez la loi de Christ. Bien, compassion, la bienveillance, la bonté. Ça, c'est le Dieu qui vous parle ce matin, il n'est pas injuste. Il n'est pas oublié à quoi faire travail ou faire dans l'évangile là. Ça, c'est l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et c'est lui qui arrose, sera lui-même arrosé. Jette ton pain à la surface des autres et au jour fixé, l'Éternel pape manque pas prêt aux présences li. L'a changé chemise pour monde qui suit pour lui. C'est tout bilan ça, c'est tout ça qui a aidé nous qui ferme dans l'évangile là. Pas bail pour faire matuvi pour aller glorifier tête tout. Parce que Paul te dit bah ça dans Actes des Apôtres 20 verset 35. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On a toujours encouragé au matin pour faire œuvre de bienfaisance, pour évangéliser par des actions concrètes, pour aider le monde à arrêter ferme, à encourager l'autre monde, arrêter diam. Lorsqu'on fait ça, parole Christ là, ou mettez parole Christ là en application. C'est ça, oui. En le faisant, vous accomplissez la loi de Christ. C'est là, après le matin, Abdou, soyez ferme, soyez compatissant, soyez sensible au regard des autres. Pensez avec eux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous aide, qu'il vous donne un cœur d'entraide, qu'il vous fasse voir les malheureux en détresse. Tout comme Dieu vous fortifie, soyez prêts ce matin à édifier les autres, à les aider à porter leur fardeau. Il nous reste qu'à vous souhaiter bon dimanche, bonne adoration agréable.